Bonsoir, bonne année à l'équipe de Stade 2. Dans un instant, Jeanne Masse, première invitée de l'année pour Vivement Dimanche prochain. Venez Jeanne à l'Olympia les 16 et 17 mai. Et on applaudit également quatre des étoiles du ballet Vivement Dimanche. Et on applaudit le chorégraphe Stéphane Giannini. Voilà. Elles étaient bien élégantes et bien chic, les danseuses qui accompagnaient Jeanne. Jeanne, on a parlé cet après-midi des années 80. Tous ces tubes-là sont nés dans les années 80. Ils n'ont pas pris une ride parce que, comme on le répète souvent, les grandes chansons ne meurent jamais. Et tu as toujours le même plaisir à les chanter. Tout à fait, oui. Alors, la tournée des années 80, elle s'est arrêtée une fois au Stade de France. Tu étais l'invité d'honneur. C'était incroyable. Ça a dû être un bonheur absolu de voir une marée humaine applaudir ces chansons, non ? Oui, et une grande émotion aussi, parce que c'est vrai que, bon, depuis les années 80, j'ai pris un petit peu de distance, je vis à l'étranger, et de revenir comme ça, je me redécouvre, et je redécouvre les gens, et c'est toujours impressionnant de voir combien ces chansons ont pu compter, et combien elles ont compté pour moi et pour le vous public. Vous avez pleuré, d'ailleurs, quand vous êtes J'ai arrivée. Été très émue, oui, en effet. J'arrivais avec mon décalage, et puis d'un seul coup, boum, allez, c'est ton tour, tu montes, moi, et là j'ai été projetée 20 ans en arrière et ça m'a bouleversée. C'est génial, j'ai vécu des années formidables. Alors qui avait travaillé avec vous cette chorégraphie qui est encore dans toutes tes mémoires? C'est la première fois qu'on voyait une chanteuse avec une chorégraphie pareille. Moi, tous ces gestes là je m'en souviens, vos tenues. Ça aussi, c'est un événement. Il n'y avait pas seulement la qualité de la chanson, il y avait la façon de la présenter sur scène. C'était hyper spectaculaire, ces tenues-là, etc. Oui, c'est moi. Tendance, en plus, qui avait travaillé ces chorégraphies, ces idées, ces costumes? C'était vous? C'était moi, oui. Ah ouais, c'était moi. Ouais. Là, c'était une vraie trouvaille. Hein. Oui, je me souviens de la toute première télévision que j'avais faite. Bon, je me maquillais énormément, ou je continue encore, j'aime le maquillage, mais et le producteur de l'époque qui m'a dit « T'es sûre que t'en as pas mis un peu trop ?» Je l'ai regardé, j'ai fait « Non, pourquoi ?» Et c'est que ça a lancé une mode. Oui, parce que bon, ça allait jusqu'en haut des tempes et ils n'étaient pas du tout habitués, mais c'était... en fait, c'était la période un peu punk comme ça, mais moi j'étais une punk assez douce avec des mélodies, donc voilà, je pense que c'est ça qui a marché, c'est que les jeunes avaient finalement une figure qui leur correspondait, quoi. Vous restez avec nous, vous êtes la première invitée de cette deuxième partie du dimanche, qui est le premier Vivement Dimanche prochain de l'année. Je me rends.